Proverbe chapitre 11, verset 16. Proverbe 11, 16. Il est dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont la force obtiennent la richesse. Verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Éphésiens chapitre 5. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Et cette phrase est aussi pour parler de la bonté. Amen. Il dit que celui qui est bon, il aime sa propre chair. Alléluia. C'est le texte qu'on vient de lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 11, verset 16. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Grandir en grâce, c'est faire beaucoup de grâce. C'est être quelqu'un qui est bon de cœur. Il faut que tu grandisses là-dedans. Alléluia. Que tu aimes partager, que tu aimes surprendre, que tu aimes faire des présents, faire des cadeaux à ton mari. Mari, fais des présents à ta femme. Il faut la surprendre. Et c'est une chose dans laquelle tu dois grandir. Donc, Jésus croissait en grâce. C'est les grâces qu'il recevait, mais c'est aussi les grâces qu'il donnait. La Bible dit, Luc 2, 52, Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Donc, il était bon envers les personnes. Dans le quartier, on dit, mais quel est ce jeune homme qui est si bon, qui est si attentionné, qui prend soin des personnes, qui s'occupe des autres. C'est ça, grandir en grâce. Grandir en grâce, c'est avoir de l'empathie, c'est s'occuper des gens, c'est penser aux autres. Grandir en grâce, c'est que tu es là, tu peux faire la cuisine, tu partages un peu, tu partages ton repas en deux et tu vas donner à ceux qui ont faim. Cette façon d'agir là, ça attire vite le mariage. Grandir en grâce, c'est l'attitude de Rebecca. Elle voit le serviteur arriver. Et voici la condition que le serviteur a donnée. Il dit, la personne qui va vouloir donner de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là. Et Rebecca était pleine de grâce. Elle était belle de figure. Elle avait une belle statue. Elle était remplie de grâce. Elle a donné à boire à tous les chameaux. Et l'homme a dit, c'est certainement la femme que Dieu a donnée. Quand papa Abraham a dit, c'est le temps de marier mon fils, l'Esprit de Dieu a conduit directement. Il n'est parti ni à gauche ni à droite. Il est tombé directement sur la femme que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que le père a décidé. Mais quelle l'attitude de Rebecca qui a attiré? Pourquoi Rebecca s'est retrouvée au puits à ce moment précis? Ce sont des genres de choses dans la maturité. Quand vous évoluez avec la grâce, le désir de partager, d'aider autrui, de partager votre part, quand vous avez des habits, de réfléchir à d'autres personnes, c'est ça, grandir en grâce devant les hommes. Quand tu as ce genre de cœur là, tu attires, c'est comme un aimant, et tu attires la bonne personne vers ta vie. Alléluia. Et quand tu agis comme ça dans ton mariage, tu amènes à ressortir le meilleur de ton conjoint. Que Dieu t'aide à croître en grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Pour terminer avec la maturité, l'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Aujourd'hui, tu es une femme. Aujourd'hui, tu es un homme. Mais peut-être qu'il y a encore des choses de l'enfant en toi. L'apôtre Paul dit qu'il les a fait disparaître. Le corps physique grandit avec le temps. Il atteint sa maturité sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Il faut juste que tu manges, que tu te nourrisses. Mais l'âme peut rester immature parce que l'âme n'a pas mangé. Car l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux gestes et aux paroles. Si pendant un temps tes parents, ta famille n'ont pas nourri ton âme, tu vas puiser ça dans ton conjoint et ça va détruire votre foyer. L'esprit aussi se nourrit mais de la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, quand mon corps est devenu mature, j'ai remarqué en moi ce qu'il y avait de l'enfant. Et j'ai fait disparaître en termes de raisonnement, en termes de manière de penser, en termes de manière de raisonner. Amen. Et de manière de parler. Les enfants parlent d'une manière. Paul a changé son langage, il a analysé son langage. Est-ce que ça c'est le langage des hommes? Non. Et il a changé. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Donc il a regardé son langage, il a amené devant Dieu que ça disparaisse. Je ne veux plus parler comme ça. Je ne veux plus avoir ce genre de langage. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Il a changé son système de pensée. Si tu as un système de pensée égoïste, égocentrique, dépendant, etc., tu dois décider que ça change pour que ton fruit soit pleinement manifesté. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Un homme qui dit qu'il t'aime et que s'il ne t'a pas essayé, vous ne pouvez pas aller au mariage, c'est le diable qui est là en train de te parler. Tu as en face à toi Satan. Cette théorie qui circule partout, qu'il faut essayer, il faut comprendre, il faut goûter le produit d'abord, tout ça, c'est du diable. C'est du diable.